coup, on va attaquer le sucré. On va trier un petit peu et on vous retrouve juste après. Donc, le temps qu'on regarde... Essaye de ne pas trop faire de bruit. Donc, on a eu ça en cadeau dans le truc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et en fait, je vais juste regarder dans les cartons. Donc, on a eu ça. Ça doit être au soda, je pense. Un bon soda. Comme ceci. Un marshmallow, à mon avis. Parce que comme c'est tout mou, ça, c'est 8000 oursons. Voilà. À mon avis, ça doit être à la fraise ou un truc comme ça. Parce que vu comment c'est... Et on a eu, je sais pas si c'est des chewing-gums ou des bonbons, mais je crois que ça doit être des bonbons. Je suis pas sûre, mais je sais, ça doit être un manga, mais je connais pas le manga. Désolée, pour ceux qui connaissent, mettez-le en barre d'infos parce que je connais pas. Donc ça on le goûtera après quand on aura tout goûté, tout ça, tous les... Ou je vous mettrai une petite annotation là si on a goûté après la commande ou pas. Tu veux goûter quoi en premier? Vas-y. Dis-moi, j'ai mes feuilles donc je vous dis en même temps ce que c'est et tout ça. Ouais. Ça c'est des bonbons aussi ça. Ça et ça c'est des bons genres de bonbons. On va faire la même tête. C'est des Shigekix citron, petit bonbon. Alors à 0,88 centimes. Petit bonbon à mâcher super acide. En japonais Shigekix, donc désolé si je le prononce mal, est un mélange du mot. Vas-y, bleu. Du mot excitation et de coup de pied, autant dire que c'est une friandise qui réveille. Ah c'est bien, ça va se faire. Ah, c'est toujours avec le sachet. Fais voir. Dibdi. Vous savez, le sachet gruyère là. Enfin, le sachet. Le truc refermé de gruyère. Il y a mon chien qui gratte à la porte. T'as entendu? Ça se. Oh! Il n'y a pas d'odeur. Donc ça se présente en petit. Si, citron. Ça se sent un peu. Petit cône comme ça. Vas-y. Ah ouais, ça sent un peu ça. Allez, 1, 2, 3. Putain. Direct. Ah la vache! Ah ça t'attaque direct! C'est mou! Mmh. Ah ouais! Et puis en plus au citron! Mmh. Mmh. C'est bon! Bah bouffe un morceau! Franchement ça va, il y en a quand même! Hein. Peut-être bouffer un morceau de citron, c'est la même chose! Mmh. C'est mou, la texture elle est molle. Ouais, vache. Non, c'est vachement bon ça. Moi je mettrais 8. On mettrait 8, c'est bon. Pareil. Non, c'est trop bon. Alors, ça c'est des Puccio raisin blanc. Excellent bonbon double effet pour une sensation différente sous chaque coup de dent. Et ça coûte 0,88 centimes. Ça se présente sous petit cube comme ça. C'est froid. Comme ceci. Ah oui, c'est froid. C'est trop mignon. Oh, c'est mignon les petits personnages. Oh, c'est bizarre. Donc, c'est vraiment blanc, il n'y a pas d'odeur. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Tout le putain. C'est les barres. Ouais, voilà. C'est un genre de créma, quoi. On dirait un créma. 1, 2, 3. Raisin. Marque double effet, mais. Quoi que. Tu es Vous avez double effet, c'est parce qu'en fait le dessus il est un peu comme les crémas. C'est les bonbons emballés. Hein. Par contre, goût du raisin blanc, ouais. On sent quand même vachement bien. Vachement bien, je parle bien français moi. L'intérieur c'est un peu plus liquide en fait, je trouve. Ouais, c'est bon quand même. Mou et liquide, ouais. Moi je mets 9, j'aime bien. Pareil, ouais, j'aime bien aussi. 9. 9. Alors, ça c'est des. Alors, attendez, que je retrouve. Puccio gummy cola et citron, 0,96 centimes. C'est bon, tu peux. Hein. Mini bonbons de deux goûts différents, mélangés dans un tube en plastique très coloré de forme particulière. Petit bonus, le capuchon de chaque tube se transforme en puce sautante et il y en a 64 à collectionner. Oh, c'est mignon! Ça fait un petit bonhomme! Ah, c'est bien, tu l'ouvres bien! C'est voir le petit bonhomme sur le capuchon? J'ai des ongles si tu veux. Il galère depuis tout à l'heure. Regardez le petit bonhomme! Ça se transforme en puce sautante! Donc vous mettez. En fait, il est comme ça, vous le mettez à l'envers. J'ai peur à chaque fois de ces trucs-là. Et.
D'accord. Essai numéro 2. Ah ! C'est rigolo. Par contre, il se referme. Ouais. Pour se refermer, par contre. En même temps, tu t'amuses à la retourner pour faire sauter le truc. Bah ouais. Bah, c'est peut-être seulement à la fin qu'il faut faire ça. Vas-y, Den. Ah, mais pourquoi t'en as pris plusieurs ? Moi, j'en veux que deux. Hein. Bah, pour que ça ait un petit peu plus de goût. Bah non. Donc, ça se présente en petit. Ah, attendez. En petit cône comme ceci. Hop. On va goûter citron avant ? Ouais. Mmh. C'est un léger goût de citron. Mmh. Mmh. C'est bon. Mmh. Ah, j'aime pas. Tu sais, ça me fait rappeler quoi ? L'arrière-goût est trop bizarre. Ça me fait rappeler, tu sais, quand tu sens de la transpiration là. Ah, ah, je vous jure, c'est dégueulasse. J'aime pas du tout. Vas-y, une goutte coca. Allez. Tu peux penser transpiration. Quand même. Ah, j'aime pas du tout le citron. Coca, ouais. Coca, c'est direct, vous avez goût de coca. Bah, je mettrai 2 pour le citron et 6 pour le coca. Ça fait une moyenne de 5, quoi. Fait une moyenne de 4. 4, 5. Toi, 8. Ouais. Ok, ensuite. Ça ? Non. Si, ça. Si. Alors, ça c'est des Chocoball Patchy Patchy Lemon à 0,59 centimes, boule de chocolat remplie de citron pétillant. Ouais. C'est mignon ? Ouais, mais c'est pétillant apparemment. Alors, si c'est vraiment pétillant, je crois que ma mère elle va adorer. Si c'est vraiment pétillant, on va ressembler au pieuvre qu'il y a dessus. On va faire la même tête. Attends, tout ça quand on a pas qu'une clope en fait, tu te dis ouais, sinon j'en fumais une. Et vous pouvez même pas voir comment on ouvre les paquets et tout. Ça s'ouvre comme ça. Hop. Ça fait le petit bec en fait. Vous avez là, vous avez le petit oiseau là avec son bec. Et pouf, ça s'ouvre comme ça. Ça sent le chocolat. On dirait bah, des... Des boules. Des... Oh, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Oh, je sais plus. Bref. Des crottes de lapin. Vas-y, 1, 2, 3. Le Malteser. Moi je suis tombé sur un mauvais, moi il n'y en a pas. Ça pétille. Prends. Non. Goût de citron, on sent pas mais. Essaye. À la fin quoi. En mode dès le départ. Ah oh, c'est bon, c'est original ça. Ah ça pétille encore, c'est rigolo. Ah oh, je mets 9 à ça. C'est bon, on, par contre, le goût de citron, on le sent pas trop, voire même pas du tout en fait. Mmh. Mais ça pétille. Franchement, 9, j'adore, c'est trop bon. Toi, tu mets combien ? 8. 8 ? Ah, oh, c'est trop bien. Je suis pas tombé. Bon, allez, à moi de choisir un petit peu là. Hein ? On va choisir un petit peu, je vais choisir ça, vas-y, fais voir. C'est. Le bonbon purée pêche à 0,85 centimes. Fais voir le haut aussi. Alors, retour du parfum le plus populaire du sur Candyson, pardon. Des délicieux bonbons purés au vrai goût de fruits et légèrement acidulés. Donc j'ai dit le prix, hein, ouais. 0,85 centimes. Ça ressemble à ça. Il y a un petit chat derrière. Ça sent... Il y a quoi ? Un chat derrière. Ah ouais. Ça ressemble, on dirait des petits cœurs. Enfin, ça ressemble vite fait à des petits cœurs. Hein. C'est ouais. Vraiment vite fait. 1, 2, 3. C'est bon. Par contre, du pêche, on le sent pas trop. Hein. Mais non, pas de goût. En
On le sent, mais pas plus que ça, je trouve. Non, c'est bon, franchement, tu mets combien? Moi, c'est pas trop mon truc, donc je vais mettre 6. Ouais, je vais mettre 6 aussi. Après, ça a le goût aussi, des... ça fait un peu la même matière que des langues de chat. C'est des bonbons langues de chat, ça fait un peu ça, en fait. Mais en moins donc, dur. Ouais, mais en moins dur, parce que les langues de chat, c'est pas dur. Langues de chat, c'est ça. Mais les langues de chat, c'est hyper dur. Mais langue de chat, c'est la même chose que ça. Oui, c'est... ça fait le même goût et tout ça, mais sauf que c'est plus dur. Ok. Et ça commence voilà. Plus. Alors, vas-y, fais voir. Vas-y, fais voir. Kit Kat Mini thé vert à 2,54€. Kit Kat Mini lot de 12 série Otona no Amasa goût thé vert. Donc c'est des Kit Kat. Non, bonhomme. Vas-y, on en prend qu'un pour deux. Ouais. Donc ça se présente comme le paquet de tout à l'heure de Kit Kat qu'on vous a fait voir. Plus. Apparemment c'est hyper bon. Il faut lui mettre le thé vert quoi. Je suis mal barré. J'aime le thé, mais le thé vert j'aime pas. C'est con, hein, mais j'aime beaucoup le thé. Mais le thé vert j'aime pas du tout. Merde. Allez. C'est parti. 1, 2, 3. C'est bon. Ah, c'est trop bon. T'aimes pas? Pas de goût. Ah si. Ah, j'adore. Ah non. Franchement, je vous les conseille. C'est pas fort comme si vous buvez un thé, quoi. Franchement, c'est trop bon. Moi, je mets 10. Oh, je mets 10. J'adore, j'adore, j'adore. Bah, en fait, moi, j'aime pas. Mais je m'attendais à pire. Niveau goût. Ah ouais? Donc tu mets combien? Bah, je vais mettre... mettre 6, allez. Ok. J'aime, ouais, j'aime pas trop, mais ça sent pas non plus des masses, donc ça va. Je croyais que le goût, ça allait être pire que ça. Je croyais que c'est vraiment... mais pas bon du tout. Quand j'ai regardé des vidéos, je me suis dit, bon, bah ça a l'air bon. Et en fait, c'est trop bon. Je mets 10 direct. Ça, c'est au barbecue. On vous montrera le salé après. Vas-y, montre ça. J'ai envie de manger ça, goûter ça. Alors... ce sont des Country Maham Choco White à 1,07€. Par contre, ça fait cher pour ce que c'est parce que ça fait vraiment petit en fait. Ma main est une main standard. Hein. Je trouve que ça fait petit pour 1,07€. Donc, ils disent sur le site chocolat blanc avec un intérieur de cookies et de pépites de chocolat au lait. Tu veux le ciseau peut-être? Bon, j'ai une petite main, mais bon, ça va quoi. Mais c'est petit quoi. Regardez par rapport à ma tête. Ouais, une grosse tête donc. Ça, on va lui dire des bêtises. Ça sent bon, hein. Tiens. Oh non, ce chocolat blanc. Bah. Ah bah oui, je l'ai dit en plus. Pourquoi j'ai pris ça moi? C'est marqué dessus, putain. Ah, ça se présente comme ça. Et en fait, là derrière, ça se présente comme ça là. Et vous savez. Bah allez. 1, 2, 3. C'est comme ça. J'aime pas. Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ah non. J'aime bien. Ah non, j'aime pas. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi? Je sais pas. Bof. Moi, je mets 1. 0 ouais. C'est vraiment parce que c'est à vomir quoi, je vais pas mettre 0 quoi mais... 4. 1. Non, ce chocolat blanc, et j'aime pas le chocolat blanc. C'est des marshmallows au chocolat à 1,03€ et en fait sur le site c'était marqué marshmallow au chocolat. Ouais. Oh, ça sent le chocolat. Marshmallow au chocolat. Il y aura une surdose de chocolat. On va finir après avec les autres. Ça se présente en marshmallow et c'est tout mou. Vas-y, 1, 2, 3. Donc comme ça, il n'y a pas de liquide ni rien. Bon, ah, c'est une chose. Le chocolat, il est léger. Hein. Mmh, heureusement. Oh, je m'attendais à plus de ça, franchement. Plus de ça. Je vais mettre 6 parce que c'est bon. Parce que moi, là-bas, j'aime pas trop le marshmallow. Je vais mettre 6. Tu mets combien, toi?
La texture, c'est texture marshmallow, quoi. C'est... Ouais, 6. 6, ouais. C'est... Je m'attendais à du chocolat plus fort que ça, en fait. Ouais, 6, parce qu'ils prouvent bien leur truc, parce que c'est du marshmallow. Donc ça a du marshmallow, oui. Ce chocolat, t'as un petit goût de chocolat, donc voilà. Alors là, on va passer aux Oreos. C'est des Oreo chocolat bar, chocolat blanc, à 2,13€. Nouveau Oreo bar mini au chocolat blanc préparé avec du lait de qualité supérieure. Pack familial de 13 biscuits en emballage individuel. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est ce qui est marqué sur le site. Hein. Je peux pas l'inventer en même temps. Franchement, j'ai prévu les ciseaux parce qu'à chaque fois je galère dans les trucs de Candy San. À chaque fois je galère. Et là, j'ai prévu les ciseaux. Et là, même faut me féliciter. Félicitez-moi. Même si on galère pas long. Ça se présente en petit paquet individuel comme ceci. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, voilà. Tu veux pas... Non, mais je suis sous là. T'en veux un petit bout? Vas-y, croque. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Et c'est bon. C'est censé avoir le goût, en fait. Chocolat blanc. Il est parti où, chocolat blanc? C'est sauvé, je crois. Mmh. Il y a le goût d'Oreo. Ouais. Non, c'est trop bon. Sauf qu'il y a un arrière-goût quand même de chocolat blanc. Que j'aime pas trop. Mais sinon, ouais, c'est bon. C'est 7. C'est bon, mais voilà, quoi, c'est chocolat blanc. Et je voulais goûter parce que je me suis dit, il y a peut-être pas trop le goût de chocolat blanc vu qu'avec le chocolat et tout, mais... Mmh. Ça a le goût d'Oreo. Il y a le goût d'Oreo, le biscuit il est là et tout. Franchement, ça a le goût d'Oreo. Tu mets combien? 7. 7 aussi? Ok. Donc, c'est des juice gummy poire à 0,88€. Délicieux bonbon fait avec du jus de fruits concentré. Une friandise qui dégage. Oh là, j'ai bugué. Une friandise qui dégage un parfum et un goût fidèle à ceux du fruit. Ça sent la poire? Non, je sais pas trop. Ah! Oh la vache! C'est pas la poire, je sais pas ce que c'est, mais... Ça ressemble à ça. Ça a la base, la forme de la poire. Ça a même goût que l'odeur. Mmh. C'est pas bon. Le goût de poire vient après. Le goût de poire, il est bon. Tu sens le goût de poire? Moi, je le sens après. Après, c'est bon. Mais le début, ça a le goût de l'odeur. 5. Parce qu'après, vous avez le goût de poire, mais au début, non, ça fait un goût trop lourd. Tu mets combien, toi? 4. 4. Pour bon. Le dernier côté sucré. Donc, c'est des... Donc c'est des... Non, c'est pas 8. Ça se fait pas. Riche banana. Biscuit au chocolat renfermant une crème riche en banane 0E. 70% de banane à 1,40€. Alors, on l'ouvre pas là. C'est la fête. C'est la fête. Ah, c'est les biscuits que pour la fête, en fait. C'est marrant comment ça s'ouvre. Par contre... Voilà. Ah, il y a 3 sachets. Avec 2 gros dedans. Ah, ouais. Oh, ça sent la banane. Mmh. Vache. Et ouais, il y en a 2 dedans. On va en faire un pour 2. Par contre, ils sont gros. Donc il y en a 2 dans le sachet. Il y en a un autre. Ça se présente comme ça. J'ai goûté avant. On dirait un Oreo en fait à la banane. Enfin, On sent bien le goût de banane. Ça se mélange au chocolat. Je mets 10 à ça. C'est trop bon. Oh, j'adore. Moi j'adore le chocolat banane. Et la banane, elle est pas trop forte en fait. T'aimes bien? Tu mets combien? 9. Moi je me dis c'est trop bon. Donc là on va passer au salé. Et par contre en fait ça c'est du sucré salé. Alors ça c'est des... Vas-y montre.
Ça c'est plus dans le salé, donc on va commencer par ça, parce que comme on a fini le sucré. C'est plus dans le sucré, donc on va commencer par ça plutôt. J'ai une tête de chips. Alors, c'est des Jaga Choco 1,25€, chips ondulés recouverts de chocolat au lait, un mélange surprenant mais tellement bon. Non, j'étais là en fait. Donc voilà, on peut goûter. Ok. Ça sent les chips. Non, ça sent le chocolat. Non, ça sent les chips. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. On a l'air de pas en avoir beaucoup. Ah, ça sent les chips au chocolat, voilà. Ça part plus vite. Ça se présente comme ça, une chips en fait, avec du recouvert de chocolat. Vas-y, 1, 2, 3. C'est bon. Oh, par contre, quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment il n'y en a pas beaucoup. Oh, c'est trop bon. Sucré salé, mais chocolat, ça fait... La chips est épaisse. Et vous avez le goût de la chips et le goût du chocolat. C'est trop bon. Je mets 10 à ça. C'est trop bon. T'aimes bien toi? Ouais. Tu mets combien? 9. Je bosse, le salé, j'ai pas pris beaucoup en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pris beaucoup de salé. Mais... Donc ça, c'est des Pretz miel 0,70€. Bâtonnet apéritif au miel, édition spéciale gachapin et mucu. Donc il y a un seul paquet à l'intérieur. Ça ressemble à un sachet de Kit-Kat. Et il est vraiment tout petit. Ça ressemble à un sachet de Kit-Kat. Ce que j'aime bien dans les ouvertures, en fait, regardez, c'est comme ça. Ouverture facile, et c'est vraiment ouverture facile. Ouf. Non, tu me dis quelque chose. C'est des petits bâtonnets. On dirait les bâtonnets de Kit-Kat. Vas-y, 1, 2, 3. C'est bon. Moi ouais, c'est vraiment bon, mais goût de miel, bon on le sent, mais bon c'est pas non plus énormément. Ouais, je mettrais 6. Moi je mettrais 8 quand même, parce qu'on le sent bien. Moi je mets 6. Pretz Yoke Watch chocolat 1,03€, bâtonnet apéritif recouvert d'une couche de chocolat édition spéciale Yoke Watch. Oula. Alors il y en a pas beaucoup, voire pas beaucoup du tout, hein. Quelqu'un qui s'est servi avant de mettre. Ah, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Ah, j'ai vraiment une grette. Ouais. Allez, vas-y. 1, 2, 3. 1. C'est bizarre. Le goût, il me dit quelque chose. Ouais, moi aussi. Mais elle me demande pas quoi. Goût de chocolat, on sent légèrement. On sent légèrement. Et après, le biscuit qui est en dessous. Moi, ouais, je sais pas, c'est assez bizarre parce qu'il y a vraiment pas. Il y a pas trop de goût quoi. Bah, il y a un goût, mais je peux pas poser. 5. C'est pas. Voilà, c'est pas un goût. Tu mettrais combien ça? Ouais, c'est un coffee. C'est bon, mais j'arrive pas à distinguer le goût, ça m'énerve. C'est des snacks Yoke Watch à 0,81€. Snack Yoke Watch au goût ramen. Forme compacte. Édition spéciale avec un autocollant offert parmi 20 collectionneurs. Je pense que ça va être l'autocollant. Bon, je le prête. Par contre, il est bien. Je ne peux pas te contrôler. Vache. Bon. Voilà. Alors ça doit être un manga, je sais pas. C'est un autocollant et ça, c'est celui-là. Ça doit être le manga qui s'appelle Yoke voilà. Watch. Donc c'est le petit autocollant des trucs à côté. Donc je vais l'ouvrir, on va goûter. C'est goût ramen. Ça sent les nouilles. Tiens, ouais, c'est tout petit. Ça ressemble à ça. C'est vraiment tout petit, c'est compact en fait. C'est plein de petits stries comme ça. Vas-y. C'est des nouilles, non? 1, 2, 3, je vois. C'est bien salé.
C'est bon? C'est trop bon. Par contre, pareil, ça vous en avez pas beaucoup. Hein. C'est bien salé. Et c'est un peu le goût des nouilles chinoises que vous achetez au supermarché, je trouve. C'est bon. C'est bon. Moi, je mets 9. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est 9. Moi, je mets 9. Pareil. Pareil. Copane sirop d'érable à 0,96 centimes. Succulent morceau de pain croustillant plongé généreusement dans du sirop d'érable. Un snack sucré pour toutes les occasions. Ah, c'est un snack sucré. Ils mettent ça dans le salé et c'est un snack sucré. Ça pue. Oh, c'est bizarre comme ça. Bon, n'importe quoi. Santé. Non, j'allais dire ça. Ça se présente comme ceci. Attends, mais tiens. Comme ça. Vas-y, un autre. C'est bon. Oh, c'est trop bon. Le goût de sirop d'érable est là. Ah, c'est trop trop bon. Oh, je mets 10 à ça. J'en prends un. Ah, je prends un. C'est trop bon. C'est sucré par contre. Ouais. Mais c'est trop bon. Moi, je mets 10. Ça se mange comme ça, sans pain, mais. Pas que c'est vraiment cool. Y'a pas de sachet au pharma. Si, moi je mets 10. Tu mets combien toi? 7. Oh, c'est trop bon. Alors on va finir par ça, et après c'est les boissons. Rich Giza, je sais pas comment ça se prononce, BBQ, enfin barbecue quoi. 1,07€, snack de la marque américaine Frito-Lay, uniquement vendu au Japon, ici au goût prononcé de barbecue. Ça met le barbec. Ah ouais, ça se présente comme ceci. Par contre, ça va, il est quand même assez rempli. Je veux dire, il va être rempli jusque là. Quoi. Là, donc il y a tout ça. Donc ça va. Ce sera la viande. Vas-y. Non. Barbecue, quoi. Barbecue, barbecue, barbecue. Ça, c'est le goût. C'est le goût de barbecue, mais il y a même un goût de viande derrière. Ça pique un petit peu, je trouve. Non. Non, c'est moi. C'est toi. Ouais, c'est moi. Je pense que c'est moi qui... Hein? C'est toi qui pique. C'est toi. C'est des chips barbecue que vous avez ici, quoi. Mais plus épaisse. Moi, ouais, c'est bon. 9. C'est vraiment bon. Voilà. 8. Donc là on va passer aux boissons. On va commencer par celle-ci. Alors c'est du Caplice à 0,88 centimes. Boisson non gazeuse sans alcool au ferment lactique qui lui donne une couleur et une consistance de lait sucré dilué. Très populaire au Japon, cette boisson est commercialisée depuis 1919 sur l'archipel. Pas gazeux, c'est ça? Alors, normalement, c'est pas gazeux. Il y a peut-être le gaz qui est à l'intérieur. Alors, c'est... Du lait. C'est blanc, quoi. C'est du blanc... Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est du blanc comme ça. Ça fait blanc. Et c'est peut-être pas du lait. Ça sent le médicament. Ah, putain. Vas-y, je goûte avant. Et je dis rien. Ah, si tu dis quelque chose, je préférerais. Goûte. Dis quelque chose. Mais goûte. Oh. Ça a le goût de médicament. T'as vu? Ça a le goût de Doliprane, je trouve. Vous savez, quand vous mettez, vous prenez un verre et vous mettez votre Doliprane à... A dit à fondre, bah ça goûte Doliprane quoi. J'aime pas. Il adore ça. Ça se boit quoi, c'est ça. Moi je mets 4. C'est... ouais. Tu mets combien toi?
Ouais, c'est pas ça le goût de l'iprane, je trouve. Bah, ensuite. Plus t'en bois et moins t'as le goût, en fait, je trouve. Ouais, plus t'en bois et moins t'as le goût, ouais. Et à la fin, t'as plus le goût de rien, en fait. Alors, ça, alors la canette est toute défoncée. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu Candy San là, mais merci. Pudding en canette, 0,92 centimes. Pudding en canette, bien secoué avant de boire. Ça, c'est tout ça. Faut secouer, vous allez voir de la merde au fond. Je secoue bien quand même. Hein. Par contre, la vidéo, je suis désolée, mais très. Voilà, je pense qu'elle est bien secouée. Oh, c'est chelou! Il y a beau d'odeur. Je vais vous faire la consistance à peu près. Enfin, pas la consistance, mais. Ils aimaient les couleurs cheloues. Je goûte avant. Je goûte avant. Goûte. C'est surprenant. De toute façon, toi, t'aimes le pudding, non? C'est pas le. C'est un peu comme le flan, en fait. Ouais. Tu sais, le flan. J'aime pas. Donc... Ah bon? Oui, il y a des genres de morceaux dedans. C'est bon, ça a bon goût de pudding et tout. Ah putain. Faut faire encore boire l'autre, tu vois. Vous prenez un pudding, enfin vous savez, un flan avec du caramel au fond là. Vous le mélangez, vous faites ce que vous voulez avec. Ça devient liquide et ça a le goût là quoi. C'est... Vous avez des... pas des petits morceaux mais des petits trucs bizarres. Ah, celui-là il est comme des morceaux. Moi j'aime bien, c'est original. Par contre, il manque un petit peu de sucre, je trouve. Ça, c'est pas trop sucré. Faut un peu de sucre dedans. Tu vas foutre du sucre dedans. Bon, maintenant on va goûter ça. Non, franchement, c'est bon. Tu mets combien? Ah, moi j'aime pas du tout. Moi je dirais 3. 3? Ah, t'aimes pas du tout, il met 3. Moi tout à l'heure j'ai mis 1 quoi, je mets pas du tout quoi. Bah oui, genre 0 c'est quand tu vomis quoi, c'est carrément à vomir. Oui, mais tu remarqueras que moi depuis tout à l'heure, même quand j'aime pas trop, je mets pas des notes le plus bas possible. Ah, mais moi je mets 9, c'est bon mais il manque un petit peu de sucre, je trouve. Mais c'est bon, franchement c'est bon. Donc là on va goûter les petits trucs que je vous avais fait voir tout à l'heure. Par contre ça doit être une boule. C'est une boule. Une boule est dure. Donc on va goûter celui-là. Winnie l'ourson. Et après ça doit être des... Je sais pas si c'est des chewing-gums ou pas ça. Il y a un petit truc comme ça. Donc ça ressemble comme ça et c'est tout. Oui. T'as croqué le bout. C'est fourré, on m'en doutait. Non ça va, c'est bon. Mais on sent pas trop goût de fraise mais ça va. Ça, je sens un peu quand même. Donc pour ça on va pas le goûter, je vous mettrai une petite annotation là ici pour voir si c'est qui l'a goûté. Mais c'est tout dur donc on peut pas le couper en deux quoi. Donc on va goûter ça, je sais pas si c'est des chewing-gums. Ou donc c'est comme ça. Je sais pas si c'est encore des chewing-gums. Encore un manga d'ailleurs. Donc c'est une barre. Oh là elle est chelou. Ah non. Ah non ça doit être un chewing-gum. Comme, ça se présente comme les chewing-gums Mario là, mais là c'est un 3. Ça sent le. Tu peux me dire pas ce que ça sent, mais. Je trouve. Ça doit être un chewing-gum, je pense. On en prend un, vas-y. C'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum, mais. C'est un goût bizarre! Ah, il y a même une petite blague dedans. Pour ceux qui veulent la lire. T'as vu, c'est marrant. C'est un goût bizarre. Alors, je peux pas vous définir le goût. J'aime pas trop, moi. Tu mets combien? Cinq. Ouais, 5. C'est un chewing-gum, quoi. C'est pas non plus exceptionnel quoi. Puis le goût est pas horrible non plus. Ouais mais il y a pas de goût quoi. Le goût il est pas horrible non plus. Bah ouais il y a pas de goût. Si un petit goût mais je pense que c'est.
Non, j'aime pas. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, on va dire que je suis assez satisfaite quand même. À part pour la pochette surprise, qui a des trucs que franchement j'ai pas aimé du tout. Et ouais, il y a des trucs assez bizarres. Sinon, en général, c'était quand même assez bon, quoi, on va dire. Mm-hmm. Donc à force, j'étais un peu écœuré par le chocolat, à force. Oui, bah oui, à force, ouais, c'est pas... Trop de chocolat, tu le chocolat, comme on dit. Et voilà. Donc voilà, donc... je pense pas, je ne la posterai pas lundi, enfin donc aujourd'hui qu'on est lundi pour nous, mais je la posterai dans la semaine, mais avant ça, je vais poster la vidéo de... Doggy Box, parce que je l'ai filmé la semaine dernière, il faut que je fasse le montage. Oui, me criez pas dessus. Mais oui, donc ouais, faut que je fasse le montage et tout ça. Donc on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.